Nous sommes dans Romains chapitre 1er. Oh Seigneur, merci. C'est un passage que nous connaissons tous. À partir du verset 1er. Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de qui ? De Dieu. Alléluia. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il y a deux évangiles. L'évangile de Dieu, qui est l'évangile de Christ, et l'évangile des hommes. Il était esclave, il était séparé des hommes, séparé pour Dieu d'abord, ensuite séparé des hommes, séparé du péché, pour une seule raison. Adorer Dieu, bien évidemment, mais aussi pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est-à-dire, dans l'évangile de Dieu, nous avons deux choses au moins. Nous avons l'évangile qui appartient à Dieu. Et nous avons aussi l'évangile. Donc l'évangile de Dieu, c'est l'évangile qui appartient à Dieu, qui n'appartient pas aux hommes. Et l'évangile de Dieu, c'est aussi l'évangile qui met l'accent sur Dieu et sur rien d'autre. Donc ce n'est pas un évangile, comme vous le savez, hein, qui est basé sur l'homme. Et lorsque nous sillonnons, lorsque nous promenons dans toute la Côte d'Ivoire, dans Abidjan, dans toute l'Afrique, dans les nations, nous voyons un autre évangile, un évangile totalement humain, humaniste, basé sur l'homme. Il n'y a qu'à voir tous ces panneaux publicitaires hein, partout où l'homme est présenté, l'homme est mis au devant, l'homme est élevé, l'homme est magnifié, l'homme est glorifié. Donc cet évangile-là ne vient pas de Dieu, donc il n'est pas l'évangile de Dieu. Cet évangile n'appartient pas à Dieu, cet évangile ne présente pas Dieu. Et Paul continue, il dit... Cet évangile avait été promis par les prophètes dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, et il concerne son fils, né de la famille de David selon la chair, et qui a été pleinement déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. Et au verset 16, le verset que nous connaissons, Paul dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile de qui ? De Christ. Puisqu'il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Amen. Donc l'évangile de Dieu est l'évangile de Christ. Donc c'est l'évangile qui appartient à Dieu. Et Dieu, c'est qui ? Ben, Dieu, c'est Christ. Christ est Dieu. Amen. Pour ceux qui en doutent encore. Donc l'évangile de Dieu, c'est l'évangile de Christ. Et Paul dit qu'il n'avait pas honte d'annoncer cet évangile-là. Alors si on se met dans le contexte historique de cet épître aux Romains, nous apprenons qu'à l'époque, c'était le règne des empereurs romains. Les empereurs romains, les rois romains, ces dictateurs, se présentaient comme rois. Et Rome était le royaume le plus puissant de la terre, comme les États-Unis actuellement.
L'Empire romain avait l'économie la plus puissante, la plus grande, la plus stable de l'époque. Cet empire avait également l'armée la plus puissante. Les soldats romains faisaient trembler le monde. Et César était considéré comme une divinité, comme un dieu. Et tous les Césars s'identifiaient à Zeus, le dieu, n'est-ce pas, gréco-romain. Et lorsque César, notamment celui de l'époque de Paul, précisément Claude et ensuite Néron, lorsque ces rois ont appris, ont entendu qu'il y avait un autre roi, ils ont commencé à persécuter ce groupe d'hommes et femmes, les chrétiens, les disciples du Seigneur, qui annonçaient ce royaume, qui prêchaient ce roi, qui disaient qu'il y avait un autre royaume qui était au-dessus de la Rome impériale. Alors, bien sûr, ça n'a pas plu aux Romains. Alléluia. Oh, les canards, on peut les laisser, il n'y a pas de souci. C'est une grâce. C'est une belle image que nous avons ici. Alléluia. Ce sont des canards, ça, non? Oui. Ça va? Vous voyez comment le Seigneur veille sur ses brebis. Vous avez vu comment les parents se mettent devant là pour m'attaquer, pour protéger les enfants. Alors ne va pas chercher un bishop pour avoir la protection contre les sorciers qui t'attaquent. Attends-toi à ton Père Céleste et lui seul peut te protéger. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il marche devant ses brebis et les brebis le suivent. Et nous avons ici hein, les enfants qui suivent. On acclame le Seigneur de gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Dieu les a poussés ici. Maintenant, ils sont partis. Frères et sœurs, Paul dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, à cette époque, publiquement que Jésus était le roi des rois pouvait te coûter la vie. Beaucoup parmi les chrétiens de l'époque étaient, vous savez ce qui se passait à l'époque? Il y avait une arène, un grand stade, il y avait des jeux olympiques. Alors les empereurs romains, quand ils entendaient que des chrétiens annonçaient qu'il y avait un roi plus puissant qu'eux, ils invitaient des foules dans ce stade, ils tuaient des animaux tels que des vaches, des brebis, ils les dépouillaient et ils prenaient leur peau avec du sang qui coulait, ils les posaient sur les chrétiens et ils le mettaient au milieu de cette arène et ils lâchaient les fauves, ils lâchaient les lions, les léopards qui déchiraient les chrétiens comme ça. Tout simplement parce qu'ils proclamaient la vérité. Et avant de lâcher les fauves, les empereurs demandaient aux chrétiens, voulez-vous abandonner votre foi ou pas? Et il y en a qui abandonnaient la foi à cause de la pression. Il y en a qui lâchaient, qui baissaient les bras. Mais d'autres allaient jusqu'au bout. D'autres étaient déterminés d'aller jusqu'au bout avec l'évangile. Et lorsque nous regardons actuellement dans les nations, dans nos pays, dans nos églises, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons une pression qui est exercée sur ceux et celles qui veulent garder l'évangile pur. C'est-à-dire l'évangile qui annonce la mort et la résurrection de Yeshua. L'évangile qui dit que si tu pèches et tu meurs dans le péché, tu vas à l'enfer. Cet évangile-là n'est pratiquement plus prêché dans beaucoup d'églises. Et ça, vous le savez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on y prêche? Donne la dîme, tu seras béni. Ça, vous savez, non? Voilà. Donne le front du prophète. Donne les prémices. On passait hier, on était avec des frères. C'était ce matin plutôt, je crois. On allait faire des petites courses, des démarches là. On arrive devant un bâtiment, il y avait plusieurs églises dedans.
Et on entend un prédicateur dire, voilà, vous qui voulez la bénédiction, tout ça, tout, machin. Mais je dis, mais ils n'ont que ça dans la bouche. Mais pour être béni, vous n'avez pas besoin d'aller voir un pasteur. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans une assemblée. Donc on était triste. Et on s'est arrêté devant pour prendre quelques. Pour leur demander des informations parce qu'on cherchait un endroit. Et il y a deux femmes qui sont venues. Et elles nous ont invitées. Venez à l'assemblée, venez, venez. On leur a dit, mais écoutez, on va voir. Mais si elles savaient le risque qu'elles prenaient. Alléluia. Frères et sœurs, Paul dit aux Galates, je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par sa grâce. Vous vous détournez de lui pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a qui vous troublent et qui veulent atterrir, renverser l'évangile de Christ. Paul va jusqu'à dire, et si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncez un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit comment? Dis à ton voisin maudit. C'est pas moi qui le dis. Qu'il soit anathème. Côte d'Ivoire. Je sais une chose, en Côte d'Ivoire, il y a un évangile qui était annoncé véritablement. Vous savez par qui? Par le prophète Kapusaba. Depuis sa mort, la plupart de ceux qui annoncent l'évangile, c'est chacun part de sa boutique. Venez prier chez nous. Église la main cachée, église ci, église ça, église machin. Même ceux qui prient avec nous ici, qui partent, ils vous invitent, ils vous disent venez prier chez nous. Frère, il n'y a aucune église qui peut vous sauver. Aucune église ne sauve. Aucune église ne sauve. Alléluia. Là, on acclame Jésus. Quoi, il faut qu'on acclame Jésus de Nazareth. Pardon. Voilà. Oh, Dieu, sauve-nous. Je suis venu vous dire qu'en Côte d'Ivoire, un prophète qui a annoncé la parole. Il y a d'autres prophètes qui sont cachés. Il y a d'autres apôtres en Côte d'Ivoire. Oui, mais ils sont cachés. Vous allez le voir cette semaine-là. Le Seigneur m'a mis à cœur de donner même 10 minutes à certains prophètes qui sont tardis ici-là, qui sont depuis des années des apôtres, qui sont dans l'ombre, qui sont dans les villages, personne ne les voit. Parce qu'ils ne sont pas à la Palmeraie, aux deux plateaux, ils ne sont pas dans 4x4, tout ça là, ils ne sont pas dans Mercedes. Vous allez voir qu'il y a un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, des hommes et des femmes qui gardent l'évangile de Christ près de soi. Alléluia! Vous avez vu quel apôtre dans la Bible se faire porter sa Bible? Quel apôtre? Vous avez vu quel apôtre se faire ouvrir la porte de sa voiture? Nulle part. Frères et sœurs, qui croit que David était en chambre? Donnez-moi un verset où vous avez vu David aller chercher un producteur en Égypte. Je sais que ça ne plaît pas, mais le peuple de Dieu dit, je me lasse de vous dire les mêmes choses. Les choses sont devenues des stars. Moi, je suis
seul cœur. Ton ma soeur, ton frère, quel est ton frère? Dis-lui. Alors, on va dire que c'est les mêmes choses depuis des années, mais la même vie, ça va changer. Depuis ta conversion, tu vis toujours la même chose au commencement, Dieu créa. Et ça va changer. Et pourquoi tu te changes? Je parle aussi aux pharisiens qu'on a envoyés. Soyez les bienvenus. Vous allez repartir avec les évangiles purs. Avec l'évangile véritable. Oh non ! Il y a ton voisin dans la Bible, on n'a pas vu qu'un prophète, qu'un pasteur, avec une femme fécondée. La simplicité. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils ont les dents singées, on ne peut plus en parler. Quand ils sont prêchés, on ne peut plus en parler. Une fois qu'ils sont reconnus, pasteur, c'est fini, la démarche a changé. Pose comme ça. Tous les hommes, séminaires d'action de grâce, plusieurs bishops arrivent et on fait des offrandes. Les veuves, on ne s'en occupe pas. Les orphelins, on ne s'en occupe pas. Et on dit non, non, ceux qui ont 10 000 ici, venez, il va y avoir une prière spéciale. Tiens, ton voisin, arnaque. Dis-lui, c'est de l'arnaque. Dis-lui, c'est des voleurs.
Nous sommes venus vous présenter Yeshua, l'évangile de Dieu. Les hommes ont besoin de découvrir Dieu. Les hommes ont besoin, les malades, les sorciers, les possédés, les hommes de ce monde, les milliardaires, les pauvres ont besoin d'entendre parler de Dieu. Parce que Dieu se cache. Et Dieu, vous savez, je vous dis une chose. Dieu est tellement puissant, tellement glorieux, tellement amour qu'il se dit, je veux être invisible, mais par contre, je veux sauver les hommes. Je veux fonder mon église. Je veux, n'est-ce pas, planter mon église. Je veux bâtir mon église. Et c'est mon église qui va me révéler aux hommes. Donc tu as reçu le mandat, toi chrétien, de révéler Dieu aux hommes. Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Je suis venu vous dire, Jésus est l'être le plus beau. Jésus, comment ne pas te louer? Oh, je l'aime. C'est mon toutou d'amour. Je suis venu te dire, ne m'adore pas, ne m'idolâtre pas. Je suis comme toi, de la poussière. Je suis plein de défauts. C'est bon, Dieu. Je ronfle parfois plus que toi. Je veux aux toilettes parfois plus que toi. T'as déjà vu un Dieu dans les toilettes? Ton pasteur que tu idolâtres, quand la diarrhée le choque, la trappe, il va s'enfermer là-bas. Amen. Et c'est lui que tu fais, c'est de lui que tu c'est lui que tu élèves. Non, non, je veux me reculer. Je veux diminuer pour que notre bien-aimé soit vu. Jésus! Non! Frère, le jour où je l'ai vu, j'étais un bagarreur. S'il y a quelqu'un qui aimait les femmes, dis à ton voisin, c'était ce monsieur. Aucune femme ne veut passer devant moi. Qu'elle soit moche ou belle, quand c'était une femme seulement, il fallait que je l'aie. Je faisais une collection de femmes. Les blanches, les noires, les chocolats, les marrons, les verts, les vertes, tout ce que tu veux. Les grandes, les petites, tout ça. Il y en a qui faisaient 4 têtes de plus que moi. Je le regardais comme ça. Copine. J'avais des démons de séduction comme pas possible. Frère, Jésus, mon Dieu. Mais un jour dans ma chambre, j'ai vu une grande lumière rentrer. J'ai vu un être glorieux avec une longue robe, une ceinture d'or sur la poitrine. Il parlait comme des grandements des hommes. Sa voix était à la fois puissante et douce. Jésus. Oh non. Non. Jésus! On vous a caché Jésus. On vous a présenté un Jésus qui vous prêche le visa. Les païens ont plus de visa que vous. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils ne craignent pas Dieu. Ils voyagent tout le temps. Oh non, je voyage à droite, à ta classe. Tout ça là. On s'en fiche. Le propriétaire de cet avion n'est pas chrétien. Tu penses pas que tu as voyagé en première classe que Dieu t'a béni? C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est de connaître. C'est de voir la révélation. Illumination de qui est celui qui t'a façonné, qui est celui qui t'a créé, qui est celui qui t'aime, qui est celui qui a mis en place pour toi, qui est celui qui t'a appelé, qui t'a choisi. Et je veux le présenter ce soir. Jésus, non. C'est les noces de l'agneau. Jésus, dis à ton voisin, il est trop fort. Dis-lui, il est trop fort. Dis-lui, il est plus beau que ta femme. Il est plus beau que ton mari. Il est plus beau que ton péché. Jésus, non. Vous pouvez le comparer à qui? À qui? À qui?
Il met sa parole comme tu vois, comme ça. Il m'impose ses mains. Il me dit, reçois l'onction pour l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Il me dit, va et libère mon peuple. Il me dit, je vais te montrer quelqu'un qui te guide, qui t'observe. Il m'ouvre les yeux spirituels, je vois ça, en plus à 10 mètres. Il pourrait mettre le matin. Ses yeux étaient des yeux de feu qui pouvaient t'avaler. Mais pour ne pas m'approcher, je veux que tu saches que quand Satan parle à Jésus, il ne se tient pas debout, il est à genoux. Le secret, c'est pas le fait de jeûner, alors je vous fais le jour, parce que beaucoup de jeunes comme ça, c'est pas ça le secret.
Le secret, ce n'est même pas ça pour choquer. Ce n'est même pas le fait de mettre des genoux par terre. Le secret, c'est de recevoir d'abord l'amour du Père. Le secret, c'est d'être en communion d'abord. Le secret, c'est de recevoir d'abord l'amour de Dieu. Pas les choses des choses. La crainte de Dieu, la sanctification, la sainteté, le jeûne, la prière, la lecture de la parole, la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Toutes ces choses-là sont des paroles de pardon. Ce sont les conséquences de la révélation de Dieu. Si Dieu se révèle à toi, il va inonder ton cœur d'amour. Et c'est cet amour-là qui va te pousser à le craindre. Cet amour va te pousser à prier, à lire la Bible. Cet amour va te pousser à aimer ton prochain en toi. Donc le secret, c'est aimer qui c'est. Dieu dit, Jean 14, Jean 4, 19. Si nous aimons Jésus, voici nous a aimé le premier. Ah, je ne sois plus fort que toi. Si j'ai arrêté avec les femmes, c'est parce que son amour, l'amour du Père, va aller m'a touché. Je me rappelle un jour de prier dans ma chambre. Maintenant, je vais venir m'a plus cramé. Le ciel m'a déposé dans les bras du Père. Il caressait ma tête. Il me disait mon fils et je disais mon père. Toutes mes blessures étaient parties. Dieu n'est rien. Je vous dis la vérité. On vous a tellement prêché les églises. On vous a tellement invité dans les assemblées qu'on ne vous a pas invité dans le royaume de Dieu. La grande invitation, c'est l'invitation au noce. Il nous a invité dans son royaume. Tu peux ne pas être membre de l'église locale et être membre du royaume de Dieu. Ma soeur, qu'on ne te voit plus dans l'église, tu dis oui, mais je suis toujours dans le royaume de Dieu. Oui. Mais le pasteur recherche, même Dieu est déjà un pasteur. Mais qui est ton nom? Qui est son nom? C'est pas le bishop qui est le nom. David a dit Yahweh, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Tu sais pourquoi tu nommes le nom? Parce que Dieu n'est plus ton berger, tu l'as remplacé par ton bishop. Le jour où j'ai vu ses yeux.
ses cheveux, mon frère. On voit la beauté. Donc à chaque fois que je vois une belle femme, quand sa femme me dit, celui-là, je la compare à la beauté de Jésus. Je me dis, mais non, cette beauté humaine n'est pas comparable. On ne peut pas la comparer à la beauté de Jésus. Si vous voyez ces pieds, hein, ces pieds ne touchent pas le sol, ils sont beaux. Jésus, il est tellement, tellement puissant. Aujourd'hui, il se révèle à toi. Vous savez que les jeunes prophètes, les jeunes prédicateurs, en avant, c'est mal à toi. Vous savez pourquoi, tu vois, malgré les grands hommes de Dieu qui avaient voulu, beaucoup n'ont pas laissé l'héritage. L'évangile. À un moment donné, c'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de l'homme. Chaque prophète est sur Facebook avec sa photo, sa femme. Vous avez la femme de Pierre qui avait pas. Maman pasteur. Maman apporte la prophesse. La première dame. Hein, the first lady. Vous avez tous les pas. Photoshop, sourire, on chante. Même les dents blanches. Ça séduit les gens. Tout le monde. Pasteur, fais les commentaires. Et vous avez vu les commentaires. Ah, pasteur, que Dieu te garde, mon pasteur, les gars. Je veux que tu sois, que tu tombes amoureuse du Seigneur ce soir. Que tu renouvelles ton alliance avec lui. Vous savez, on saura que tu es converti quand tu vas être seul. Pas quand tu vas à la foule. C'est facile quand tu vas à la foule. Oh, je suis chrétien. Mais c'est quand tu es seul. Face aux épreuves. Face à la tentation. C'est le caractère. La deuxième puissance, c'est l'humilité, la simplicité, c'est la crainte de Dieu, c'est l'amour. Combien d'églises ivoiriennes ont construit d'orphelinat? Combien? Combien? Alors, où est la puissance que ces gens avaient? Où est la puissance? Une puissance qui vient seulement recevoir, c'est la puissance? Non. La puissance de l'évangile, c'est de s'occuper des pauvres. Les malades, de construire des écoles, écoles chrétiennes. En 2002, tu m'as dit construis-moi des orphelinats. En 2002, chaque mois, on envoie 10 000 euros. Peu combien en France et 10 000 euros à nos différents orphelinats dans le monde. Pour nous, c'est pas cher pour nourrir les pauvres. Combien? De 6 millions 500 000. Et je veux te dire, c'est pas moi qui veux travailler dans le bureau, c'est toi qui veux travailler. Vous avez fait du matin au soir, prière, matin, lundi, mardi, lundi, jeudi, vendredi, samedi, quand est-ce que vous allez travailler? L'autonomiser, enseigner l'évangile. Qui veut que Dieu le visite? Ton amour, ô la puissance, ô ta présence, ta gloire, l'évangile est venu, non pour te condamner, l'évangile est venu, le Seigneur l'a envoyé pour dire aux sorciers, aux satanistes, vous pouvez quitter le diable. Vous pouvez être sauvé. Je me dis à quelqu'un à qui on a donné la sorcellerie. Tu peux quitter la sorcellerie aujourd'hui. Et je l'assure, Satan ne pourra pas atteindre. L'évangile, l'homme a vu, Jésus le présenté.
Jésus-Christ 100% homme et 100% Dieu. L'évangile. Qui veut abandonner la sorcellerie? Il est là. Qui veut abandonner la sorcellerie? Et qui initie à la sorcellerie et qui ne veut plus sortir la nuit? Qui doit bien? Qui d'autre? Pour la grâce de Dieu, qui d'autre? Oui.
une personne ici qui est beaucoup combattue la nuit par des esprits de sexe, des esprits de nuit, des esprits de mari et femme de nuit qui viennent t'agresser. Il y a quelques personnes qui sont concernées là, le Seigneur veut vraiment les rendre libres. Il y a une femme ici même qui ne peut pas se marier bien comme une fois à cause de ça, qui souffre beaucoup à cause de ça. Le Seigneur est en train de te libérer de ce mari de nuit là au nom de Yeshua, qui est très en colère. Je veux que tu la lâches au nom de Yeshua. Je veux au nom de Yeshua. Sortez. Quitte-la, à genoux, mon Jésus, à genoux. Quitte-la. Il y a un autre mari de nuit ici qui m'insulte, qui est très en colère, qui est démasqué. Il y a un esprit des eaux. Un esprit des eaux, un esprit des eaux, un esprit de serpent, un esprit de sexe, un esprit qui attaque, qui agresse quelqu'un, qui menace quelqu'un. Le Seigneur est en train de mettre sa main sur ta vie là. Le Seigneur est en train de détacher de ce gros serpent là, au nom de Yeshua. Je te donne un ordre précis, tu vas remonter, tu vas sortir, personne te vomit. Aidez-les au nom de Yeshua, les biens gloire à Dieu, sors d'elle, quitte là. Voilà, sors d'elle. Brisons ce mariage là, alors bien pour cette personne, au nom de Yeshua, les biens gloire à Dieu. Ça va? Sors! Sors! Oh, magnifique Seigneur, magnifique. Sors! Quitte-la! Quelqu'un ici, là, quelqu'un, il y a un membre de ta famille qui te attaque tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un esprit humain qui vient t'embêter, qui vient t'embêter. À chaque fois, tu sens comme une présence qui te poursuit, c'est pas normal. C'est un esprit de contrôle, c'est un esprit de contrôle. Un esprit qui vient t'attaquer, qui vient t'étouffer parfois la nuit quand tu dors, tu te sens étouffé, étranglé comme ça là. Le Seigneur est en train de te libérer de la mort, c'est un esprit de mort. On a décrété ta mort. Cet esprit est en train de sortir maintenant. Je suis notre Seigneur Sauveur. Les démons de mort qui sont ici, il y en a pas mal ici là. Je vous donne un ordre précis. Vous allez quitter ces corps, vous n'allez pas tuer ces personnes là, vous n'allez pas les tuer. Venez sortir. Quittez-moi ce corps, quittez-moi ce corps. L'évangile véritable est en train de le détacher. Il y a des gens qui sont liés ici ce soir. Le Seigneur est en train de le détacher avec la parole, avec l'épée de l'Esprit de Dieu. Il y a un détachement, une libération véritable au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Sortez! Je veux que vous sortiez, je veux que vous sortiez au nom de Yeshua. Oh, alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. La puissance de la résurrection, la puissance de Dieu, la puissance de la loi, l'évangile véritable. Sortez! Sortez! Si, si. Quelqu'un ici, un esprit de colère, un esprit de colère qui te prend. La colère parfois te saisit, tu as du mal à te contrôler. Et tu invoques le Seigneur, tu cries, tu implores la grâce de Dieu. Le Seigneur vient te guérir, il guérit ton âme qui est blessée, il guérit ton âme qui est blessée, il guérit ton âme là, là, il guérit ton âme au nom de Yeshua, il guérit ton âme là, là, là. Amène la main à la personne, amène la main là, là. Sors! Quitte-la! Quitte-la! Quitte-la, Jésus! Aide-la! Sors, sors, amène la main là, là, là! Là, là, il y a un jeune homme qui a souvent la colère, tu as évité la colère de ton père. Jeune homme, Dieu te libère parce qu'il y a un appel sur ta vie. Dieu pose sa main sur toi là. Dieu t'arrache. Quelqu'un fait des cauchemars. Tu vois des cercueils. Tu vois les morts de ta famille qui viennent te parler. Et c'est parce qu'on a décrété ta mort. Dieu vient briser la puissance de la mort. Il vient briser la mort dans ta famille. Tu ne mourras plus. Tu vas servir le Seigneur. Dieu t'arrache de la mort. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Jésus. Une femme qui a souvent mal au ventre. On a déposé quelque chose dans ton ventre, la cause du péché. On a mis quelque chose dans ton ventre. Tu as fait un avortement, il y a quelque chose. Je parle à une femme, là, tout ça. Là. Au niveau de ton ventre, il y a quelque chose qu'on a déposé là. Tu vas vomir cette chose. Ça va monter, ça va remonter là, ça va sortir. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, Jésus. Et de là, sors. Oh, la puissance de Dieu. Il y a des choses, hein. Il y a des choses. Viens. Et de là, Jésus. Et de là, je suis ici. Oh, ça va vomir. Je vous dis, ça va vomir des choses. Dieu vient nettoyer. Dieu vient nettoyer quelqu'un.
Dieu nettoie quelqu'un. Les pensées impures t'attaquent, les pensées impures prennent place dans ton cœur, dans ton âme, et tu n'en peux plus, tu n'en peux plus. Le Seigneur vient briser cette sorcellerie qui est exercée contre toi pour te décrire, mon frère, au nom de Yeshua. Dieu vient libérer ton âme, libérer ton âme, au nom de Yeshua. Priez pour lui au nom de Jésus de Nazareth. J'étais ici, problème d'estomac. Le Seigneur est en train de guérir l'estomac comme ça. Dieu est en train de libérer ton estomac comme ça. La Seigneur, je le fais au nom de Jésus. Maintenant, le Seigneur est en train de guérir. Touche là où la main, et non sur les guérisons. Je ne vais pas toucher, je ne touche. Problème de prostate, problème de cœur, problème de dos. La puissance de Dieu vient dans ton corps. Dieu vient toucher ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Et une guérison là où tu es, là où tu as assis, là où tu as assis. La puissance du Seigneur te pose avec toi. La guérison devient effective. Maintenant, je donne à toutes ces maladies, ces douleurs, cancer, sida, je donne à toutes ces maladies de sortir maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Allez-vous les doigts à Dieu. Maintenant, tu bouges dans le matin, tu viens regarder la douleur. Si tu ne sens plus la douleur, tu lèves ta main. Au nom de Jésus, le Seigneur, le Sauveur, gloire à Dieu. Si tu n'as plus de douleur, tu lèves ta main. Le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit. Problème de vue. Le Seigneur guérit. Cataracte. Le Seigneur guérit. Le nom de Yeshua, il est là. Ah, ah. C'est où tu as des douleurs, ça? Depuis quand? Ah. C'est longtemps. Seigneur, merci pour cette guérison divine. Le nom de Yeshua, il est là. Le nom de Yeshua, Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, gloire à Dieu, Seigneur, bouge encore là. On va parler de Jésus de Sauveur. Alléluia. Bouge encore, viens voir. Je te remercie. Oh, Alléluia. Merci, Père. C'est bon. Si je me dis, je me dis. Qui veut le baptême? Tu veux la courir ici. Courir. On a besoin de courir. Courir. Wow. Oh, Seigneur.
Alléluia. Tu veux le baptême, ma soeur? Alléluia, tu vas te dire.
diabète, c'est réglé. C'est bon, après le matin, je rappelle les examens. Dites-le là. Dans le dos. Sors. Quitte ce dos. Voilà. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes marié? Tu es marié? Tu es marié? Je n'ai pas de. Et toi, tu es marié? Je suis fiancé. Ton fiancé là-bas. Tu es marié. Tu n'as pas d'enfant. Depuis quand tu es marié? L'année passée. Vous pensez que cette femme peut avoir des enfants? Oui. Tu veux combien d'enfants? Au moins 4. En sortant d'ici demain, tu as les moyens. Pas acheter un verso. Hein? C'est bon, c'est réglé. C'est un français. Je vais baptiser. C'est maintenant que je suis baptisé. Ah, c'est beau. C'est beau. Et vous voulez que le Seigneur fasse pas pour vous? Amène la main, amène la main. Il ne faut plus toucher ensemble. Pourquoi quand ils sont mariés, on a parlé d'abord, c'est sûr. C'est bon. Parce que le péché, ce que vous faites, c'est pas bon. Si vous gardez la situation, je vais vous payer. Je ne sais pas si tu es Joseph, tu sens que Joseph dans la famille, pour aider les gens. Vous voyez la famille, qui est en train de dire, elle pleure, elle est là. Beaucoup de questions se posent, comment on va faire ta vie comme ça? Le Seigneur veut dire, vous êtes quel? C'est lui qui a mis la parole devant le tapis, c'est lui qui a tiré ce soir. Le Seigneur va te guérir, te justifier, tu auras la gloire de se manifester à partir de ce soir. Sanctifiez-vous pour le recevoir, au nom de Jésus, d'accord? Je sens tout vie. C'est bon, allez, va c'est bon, c'est bon. Oh, t'es dedans. Tu les appelles de sanctuaire, ils courent, ils refusent l'appel du Seigneur.
Thank you.
Lève-toi, s'il te plaît. Bien. Qui d'autre? Est-ce que les orphelins de moins de 20 ans ici? Levez-vous. Les orphelins de moins de 20 ans. Venez, à ma gauche. On va tous faire une offrande pour aider ces personnes. C'est possible, hein? C'est possible? Amen. Voilà. Sur ma gauche, les orphelins de moins de 20 ans. Tu as moins de 20 ans? Hein? Ah, tu ne sais pas quoi manger toi? T'as pas la terre à manger toi? Ok, d'abord les orphelins. Les orphelins de moins de 20 ans. Voilà. Donc, on va prendre les offrandes là, dans le secrétaire d'offrandes, on va les aider. C'est pour eux. C'est bon, on va prendre les offrandes. Qui sont ceux qui veulent les Bibles? Il n'y en aura pas assez. On va pouvoir en distribuer demain. Voilà déjà la bonne parole à notre Dieu.